Animalia, nos amis des animaux, peut commencer dans quelques secondes. Aujourd'hui, nous parlons de la deuxième partie de notre émission consacrée à M. Michael, l'apiculteur, avec ce banabeille. Donc, la semaine dernière, M. Michael est capable d'expliquer un peu sur passion. Nous récits connaissons beaucoup de choses sur l'apiculture, sur l'apiculteur en général dans Maurice. Donc, monsieur, déjà, ça ne change totalement dans Animalia parce que première fois qu'il nous peut gagner une émission consacrée à banabeille. Et là, deuxième partie de l'émission qui pose pour trouver aujourd'hui, est consacrée à nous parler au terrain, nous parler de souban ruche et nous parler aussi tout bon accessoire qui un apiculteur servi. Donc il y a différents accessoires, il y a brosse, il y a raclette, il y a fumoir. Donc on va regarder tout ça là dans Animalia, nos amis les animaux, spécial Maya l'abeille et autres. Donc à tout de suite, on va regarder ça. Donc là, M. Michael pourra montrer nous tout bon accessoire qui est utilisé donc pour l'apiculture et la fabrication du miel et l'entretien en ruche. Donc, premier, nous retournons là, ça c'est... C'est ça qu'on appelle une combinaison. Mm-hmm. Une combinaison, il peut faire avec un sapot, il peut arrêter avec nous jusqu'à nous sentir. Mm-hmm. Ou sinon, nous avons un overall aussi. Et là, nous arrivons, et pour l'information, tout ça là, il est fabriqué localement ici même. Mm-hmm. Nous pas importé, ça il est fabriqué localement. Même les militaires aussi, nous fabriquent localement. Et donc, sinon, s'il y a un client ou les liens de combinaison tout court qui coûte les moins cher, ou sinon il y a besoin d'un overhaul ici, il y a gagné un overhaul. Donc ça c'est le premier équipement qu'il y a besoin. Et puis le deuxième équipement qu'il y a besoin, c'est un enfumoir. Et puis là, il y a besoin de ce qu'on appelle un lave-cadre. Qui fait un lave-cadre? Parce qu'il y a une abeille, tu dois te servir un élément qu'on appelle propolis à l'intérieur de la ruche, tu dois te coller un bancadre pour ne pas bouger. Donc nous avons besoin de lave-cadre pour nous décaler le bancadre là. En même temps, parfois, quand il y a une salle aussi, nous avons gratté à l'intérieur. Même il y a un système aussi qui là, qui s'y amène, nous, souvent des fois, quand un apiculteur peut transporter son riz, il peut bien clouer sa couverture interne. Mm-hmm. Là, à ce moment-ci, nous avons même lève sa clou là dans l'interne, façon qu'il y a lève clou là. Excellent. Après, lève cadre, nous servit ce qu'on appelle une brosse abeille. Parce que comme une abeille, le cadre là, souvent des fois, nous besoin brosser. Brosser pour nous observer qui est dans ce bonne cellule. Donc là, nous servions une brosse abeille. Principalement, un débutant, vous commencez avec une combinaison, un lève-cadre avec une brosse. Donc si nous comprenons bien, avec ces quatre accessoires-là, donc nous avons une combinaison, une brosse, un lève-cadre avec un fumoir, un débutant qui n'a pas débrouillé. Là, c'est ça qu'on appelle c'est un kit starter. Hein? Starter kit. Un starter kit, là, côté un apiculteur qui a commencé. D'accord. Maintenant, Bandimoun qui en vient un petit peu plus poussé de la culture. Donc, à ce moment-ci, quand Bandimoun là, pour une plus poussé, c'est-à-dire, je peux servir ce qu'on appelle un couteau à désopéraculer, pour désopéraculer, pour tirer du miel. Mm-hmm. Ou soit, là, je peux aller un peu plus poussé, je peux bien servir ce qu'on appelle un éperon pour placer la chair, le cadre, comme on dit là. Mm-hmm. Ça, c'est un cadre. Hein? Ça, c'est un cadre avec donc, la chair. Là. Ça, c'est qu'on appelle ça foundation wax, la chair gaufrée. Là, on peut bien servir un éperon. D'accord. Mais pour un premier temps, nous donnons un riz avec de la mousse à l'intérieur. Ce n'est pas nécessairement qu'ils aient fait un investissement. Alors là, pour un premier temps, mm-hmm. avec de la mousse à l'intérieur, juste dans les couvents. Et puis, au fur et à mesure, là, nous pouvons initier les autres comment placer la chair chez les cadres. Peut-être que ce pour vous, c'est ce qu'on appelle ça, une feeder. Mm-hmm. Une feeder qui est pour vous servir. Feeder là, qui est fait ça? Feeder, pendant l'hiver, nous besoin de nourrir un peu nos banabeilles. Surtout quand il y a une jeune colonie. Mais quand la colonie est encore jeune, là, nous besoin de nourrir une suite pendant l'hiver. Mais par contre, quand il passe au premier an, il y a suffisamment de stock du miel qui permet de traverser l'hiver. Ça, dans vos formations, pour expliquer du monde là, tout ça? Ça, c'est important. Et les banabeilles, du moment qu'il y a la nourriture pour rentrer, ils ne sont pas pour consommer le cycle, ils pourraient se l'aimer. Et ça, c'est du moment qu'ils nous peuvent feed, les banabeilles, pour travailler que dans la partie ici-bas qu'on appelle les couverts dans la ruche. C'est pas pour travailler dans la ruche. D'accord. On a aussi donc, la scie d'abeille, jusqu'à la scie est là. Là, nous avons la chair, c'est-à-dire c'est ça qu'on appelle le raw wax, mm-hmm. qui nous purifie, nous font un pain qui nous tient à brut, nous font lui, là nous produisons ça. Là. Et c'est avec ça même qui nous fait la bousille, nous capable de servir pour graisser la corde, etc. Oui, c'est-à-dire nous servons ça dans la maquette et en même temps nous servons ça pour les plancher aussi.
pour les planchers. Oui, ben, le plancher d'antan, ben, donc le plancher y est au bas, nous longtemps, avec brosse coco, nous mettons un peu l'acier là-dedans, après nous brosser. Brosser, en même temps, là, il fait pour épilation aussi, dans plusieurs domaines de la cosmétique, je te servis ça beaucoup. Nous avons un risque qu'ils appellent risque d'Adam, c'est un risque des 12 cadres. Et là, ce qu'ils ont trouvé ici, c'est un risque Landstrope. Il fait en deux parties. Et il y a une première partie en bas qu'ils appellent ça une partie couvain. Sa partie couvain là, c'est là qu'il y a une abeille pour venir, la reine pour pondre. Et il y a pour faire une stockage pollen et un peu de miel aussi pour eux. Après, quand sa partie là est finie remplie, là, pour monter là-haut. Dans sa deuxième partie là, nous appelons ça un os ou en anglais, on appelle ça un storage. C'est là qu'ils peuvent garder cette bande de miel. Mais entre sa couvain-là avec sa storage-là, nous pouvons mettre une grille. Sa grille-là, on appelle ça une queen excluder. Il exclut la reine, c'est-à-dire il empêche la reine de monter là-haut. Et là, quand on finit de poser sa grille-là, là, nous pose ce os-là. Quand on finit de poser ce os-là, là, nous met sa couverture. C'est ça, on appelle ça une couverture interne. Pour mettre sa couverture interne, là, nous siftons-le, nous avons dit là-haut, là, os-là. Après, là, nous mettons la couverture externe. Là, nous finissons un risque avec 10 cadres couverts, avec 10 cadres os. Ce modèle qui m'a peut montrer où là, il se sur l'extraction pour faire d'une façon traditionnelle, c'est-à-dire comme un apiculteur tu peux faire longtemps. C'est-à-dire, je peux prendre ce cadre qui est rempli avec du miel, je prends une couteau, je peux désopercule, je t'enlève ce opercule, là, je peux mettre dans un extracteur. Dans cet extracteur-là, ou un centrifuge, quand je le mettais dans un tournis, là, je peux tirer du miel là-dedans. Décidément, lui, Pierre Pran, extra beaucoup qui se dans sa émission-là. Et nous sortis l'explication de l'eau ruche traditionnelle. Et là, M. Markel, donc, me trouve une ruche devant moi. Et je suis capable de dire que je trouve cette ruche-là dans mon programme, le YouTube. Et je peux deviner qui a été ruche, c'était ça. Mais je crois qu'il paye dans sa ruche-là, Maurice. Et comme on demande, nous, il y a un VIP, un Rolls-Royce dans la ruche. Donc, vous pouvez dire nous, M. Markel, quelle différence il y a entre ruche traditionnelle, conventionnelle qui nous a été et sa ruche qui est devant nous? La seule différence qui nous est là, c'est sa ruche qui est trouvée là, à côté là. C'est qu'il n'a pas besoin d'extraire ce du miel. Simplement, nous avons besoin de couvrir un robinet à travers une manivelle. Nous ouvrons l'île, nous mettons un tube, nous mettons nos pots, nous retirons du miel. Donc, nous n'avons pas besoin de faire un procédé tel que extraction, désoperculation, laisse dans la maturation, tout ça là, nous n'avons pas besoin de faire tout ça là. Ça n'a là, comment nous ouvrons, nous tirons du miel, nous sortons de la ruche à la table. C'est la différence qu'il y a. Donc, directement de la ruche à la table. Donc, pour un dimon, on va dire, qui n'est pas un professionnel dans l'apiculture, il est beaucoup plus facile aussi pour lui. Oui, une certaine façon, on dirait qu'il est beaucoup plus facile. Mais tout de même, malgré ça, quelqu'un qui peut relancer, qui voulait acheter une ruche comme ça, il a besoin d'un basic knowledge, c'est-à-dire un au moins une base de l'apiculture qui peut permettre. Parce qu'il opprime d'abord, c'est que nous mettre une colonie dans ce base. Parce que ça, c'est un landstroke. C'est la différence qui nous est avec ce landstrope là, c'est ce bon cadre qui finit sans et. Au fur et à mesure que vous pouvez aller, vous trouvez ce bon cadre qui finit sans et. Et ce bon cadre, il y a un bon cadre qui est spécial, qui n'a pas besoin de faire un ornier là-dedans. Vous avez simplement besoin de venir et mettre du miel là-dedans au percule. Comment vous mettez du miel au percule, nous venons, nous mettons nos manivelles, nous désopercule, nous mettons nos chips, nous remplissons nos pots, nous fermons nos ornières. Moi, je suis absolument novice dans ce domaine-là. Premièrement, je suppose que quand on peut donne ou vend une ruche avec un dimoun ou assied aussi un minimum de formation derrière. C'est un peu ce qui me fait depuis bientôt 38 ans, même un peu plus, qu'il y a chaque fois quelqu'un prend une ruche avec moi, moi initié à l'apiculture. Initiation, ce qui est important dans l'apiculture, c'est surtout comment mettre la main dans la ruche, comment approcher la colonie, ça c'est l'élément plus important. Une fois que nous passons à cette étape-là, beaucoup de choses que nous avons à apprendre par nous-mêmes. Et moi, je toujours accompagne mon client. Accompagne mon client qui a acheté une ruche avec sa colonie avec moi, accompagne les autres, montre les autres, explique les autres, puis les autres, vous même faire la manipulation nécessaire. Quant à sa ruche-là, qui ne peut pas dire un Rolls-Royce, cette manipulation vient beaucoup plus
facile, surtout concernant l'extraction du miel. Mais les restes se basent pour parer comme dans un riz traditionnel. Et moi, pense aussi, vu qu'il y a quand même un toit en tôle dessus, ce lifetime, un peu plus qu'il y a l'autre ruche qui nous guette là. Oui, définitivement, parce que là, nous rentre vraiment dans l'autre environnement. Catégorie, exactement. C'est pour cette raison-là qu'il nous dit un Rolls-Royce. Nous parlons du Rolls-Royce, nous ne parlons pas d'un reste traditionnel. Donc, la commandeur cabine tourne, c'est un risque qui nous fabrique, côté nous, sauf ce bon cadre à l'intérieur, côté nous pour faire l'extraction du miel. C'est ça, nous n'importe. Qui est depuis l'Australie. Mais les restes, tout nous mettons. Avant qu'il nous parle, qui est dans la ruche là et comment est composé à l'intérieur, on s'est servi un mot depuis tout à l'heure là, mais vous connaissez, il n'y a pas de sous-question, comment nous dire en français, et on s'est servi un terme qui, bon, pas comprendre ce terme là, moi, pour ou peut-être il y a une affaire automatique, opéacule. Qu'est-ce que ça veut dire? Opéacule, c'est quoi? Quand nous disons un cadre fin opéaculé, c'est-à-dire, ben abeille, il met un petit couche la chair, l'eau, ben cellule. D'accord. Ça veut dire, vous mettez ça opéaculé, là, vous êtes opéaculé, ça veut dire, vous êtes fermé. Quand vous êtes fermé, ça veut dire, du miel là, ce contenu, il est moins que 18%, il prend un long lifetime, et en même temps, là, ben abeille, du miel là, il n'est pas pour fermenter, pas pour nourrir, il est réservé dans les cadres, même sortir du cadre aussi, il est capable. Et un bon lifetime. Voilà, dis-nous que le miel, c'est le seul aliment qu'ils n'avaient pas gâté au monde. C'est vrai, ça? Et c'est vrai, mais si nous avons trop beaucoup de manipulation à ce moment-ci, parce que nous ne connaissons pas qui infecte le miel. Mais si le miel, il le fait d'une façon professionnelle, c'est-à-dire après l'extraction, il passe dans la matière à terre, après la matière à terre, il rentre direct dans le pot et qu'il peut l'enfermer d'une façon hermétique et qu'il peut les autres manipulations avec le pot, avec le miel. Il y a un bon moment de réservation. Et surtout si pas un mélange qui est ajouté là-dedans. C'est-à-dire un additif. Du miel, quand il sort dans la riz, il est moins que 18% d'eau. Il est très réservé, mais par contre, s'il y a quelqu'un qui met la main là-dedans, il ajoute de l'eau là-dedans, du miel là, il peut fermenter, il peut gâter. Juste pour cette information, il y a une découverte dans un tombe en Égypte, tombe d'un pharaon, on ne connaît pas au courant de ça, c'est-à-dire qu'on a découvert un tome qui nous veut apprécier par 2000 ans, 3000 ans, et du miel, il est toujours en état là-dedans. Donc, c'est un lifetime extraordinaire. Oui, c'est-à-dire que du miel, définitivement, il n'est pas pour gâter. Si c'est une mauvaise manipulation, il n'est pas pour gâter. Et longtemps, entièrement, on a gardé du miel brut depuis dans la nature. On prend les, on réserve les, on met les dans une peau fermée hermétiquement. Il est pour rester, il est pour rester. D'accord. Donc là, vous pouvez sous M. Markel, commence à opérer la ruche. Donc nous pouvons un coup de qui, comment vous pouvez procéder. Et moi, je voudrais éventuellement, au fur et à mesure, vous expliquer nous en même temps qui sont les différents components qui sont là-dedans et à quoi ça sert. Comme vous trouvez, c'est un riz un peu spécial. C'est même qu'on appelle un Rolls Royce. Là, c'est un riz qui, quand nous pouvons. C'est un Landstrop normal. Mais sauf ce bancade en haut, ce bancade bien spécifique, du fait qu'il fait un métier spécifique, parce qu'il fait une façon qui ben abeille pas besoin build-up là, j'ai pas besoin faire bonne cellule, tout bonne cellule il finit faire, et en même temps, je qu'il a juste pour mettre du miel. Je te mets du miel là-dedans, quand je te mets du miel là, je te remets ça au percule. Au percule, c'est un petit layer que je te mets, je te ferme le miel là-dedans. Et nous pouvons finir troubler visiblement parce qu'il nous pouvons plusieurs fenêtres. D'ailleurs, nous mauritianisons la russe, donc il fait une cause de mauritianisation. Comme on connaît, mauritien content, loqué, nous mettons plusieurs fenêtres, ça permet aux mauritiens avec ouvert cette bonne fenêtre. Ouvrir une bonne fenêtre un peu partout, trouve ce qui peut passer à l'intérieur. D'accord. Donc à ce moment-ci, je peux finir trouver quand du miel là, une fine parée à l'intérieur, les fines opères qu'il est. Là, nous, à Piquilter, nous venons de passeport dédié à la russe. Le passeport d'hier, c'est toute bonne transaction, toute bonne extraction pour faire par d'hier. Donc, bon abeille pour continuer le travail devant sans qu'il nous dérange. Donc, nous pas disturbs. Ne pas disturbs. Ça étape là, il y a une étape tellement insensible. Qui ben abeille pas même pour ressentir si nous nous faisons d'une façon professionnelle et ben abeille pas pour même ressentir si pas nous payer aucun autre du miel.
Parce que finalement, c'est ce qui nous peut faire, nous coquons 10 000 abeilles. Tu vois, la piquilité, c'est un prédateur. Donc là, c'est ce que nous faisons, nous pouvons faire, nous pouvons aller, nous tirer sur 10 000, nous coquons sur 10 000, comment nous dire. Après, nous refermons tranquillement. Quand nous pouvons refermer, et là, nous pouvons constater, ben abeille, pas pour même connaître nous petits chasseurs de 10 000. C'est après qu'ils ont pu sentir qu'ils n'ont pas qu'un chasseur de 10 000 parce qu'ils ont pu sentir qu'il y a une vide, ça va être celui-là, une vide. Mais d'abord, premièrement, là, comme on peut être en bas, là, c'est que nous on appelle ça d'entrance. C'est là que l'abeille est rentrée. Et l'abeille connaît que c'est là-bas une chance, il vous finit comme ça. Il vous finit connaît. Une fois qu'il nous a introduit une colonie dans une russe, l'abeille là, il finit connaît. Parce qu'il y a une abeille, la seule façon, c'est de travailler dans un système de GPS. Ils ont monté, ils ont allé. Une fois qu'ils ont une marque, ils ont repéré, ils ont sorti, ils ont retourné. Du coup, il y a deux, trois russes à côté, chacun pour soi, Dieu pour tous. C'est pas pour mes, mais pour mix. Donc, c'est-à-dire, si on a 10 ruches là, un abeille connaît exactement côte sur riche. Ce concept-là, c'est un concept qui est développé dans quel pays ça? Dans l'Australie. L'Australie, on a l'impression qu'on a bien fourni du miel là-bas, non? Définitivement, c'est parmi les grands pays fournisseurs du miel. Donc, c'est là-bas qu'on développe ce concept-là. Et simplement, il y a simplement une petite friction qui est là, dans les cadres, qui abeille pas senti même. Il y a tellement insensible qu'un abeille pas senti. Et qu'on vient de mettre un chip du miel là, il est tombé. D'accord. Allez, donc nous avons l'entrance, nous avons ce banc la fenêtre, là, qui vous va le montrer nous encore. Là, c'est qui, comment on tourne, comme ça, c'est ce que nous pouvons faire. Nous pouvons lever ce premier couverture. Quand nous lèvons ce premier couverture, ça qui nous appelle une couverture externe. Après, nous prenons l'autre couverture interne. Ça, l'autre donc, premier couverture externe, il protège surtout de la pluie, soleil, intempéré. Après, là, sur sa couverture externe, là, nous prenons une couverture interne. Sa couverture interne, là, nous pas pour bouger, il existe. Risque là et là parce que qui fait ne pas pour bouger parce qu'il est pour fermer la risque là mais l'abeille pas pour gagner accès pour sortir vers l'extérieur pas pour gagner accès pour sortir vers l'extérieur sauf de sortir vers l'extérieur c'est toujours devant mais nous quand nous pour extraire du miel c'est à l'arrière de la risque que nous pour extraire du miel. D'accord. Donc, nous ne pouvons pas faire aucune manipulation depuis devant la ruche. Donc toute manipulation pour extraire du miel c'est pas l'arrière. À l'arrière de la ruche. Donc, éventuellement aussi, peut-être, un dimoun qui nous regarde, il n'y a pas un grand apiculteur, il n'y a pas de super connaissance, et qui peut envie d'un petit ruche côté, c'est le modèle idéal. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin d'une belle manipulation, attention, peut-être, il peut aussi déranger la colonie. Donc, avec un minimum de manipulation, il peut être capable quand même harvester ce miel. Oui, ça exactement. C'est exactement ce qu'il peut faire. Okay. Mais, comme on dit, il faut toujours prendre les précautions. À l'achat d'une riche, c'est moi, nous initier la personne à l'apiculture. Parce que c'est ce qui est important, nous avons déjà tellement du mal des abeilles, qui moi, par exemple, tout le temps, essayer, conseiller, aide ban du monde pour faire l'approche. L'approche qui est importante. Quand on approche une colonie, et tout qui se passe facilement. Maintenant, après qu'ils nous enlèvent ça, qui sont les autres choses qui nous aident comme compagnons? Oui, là où nous trouvons une autre compagnie, une autre partition par derrière, là nous pouvons lever. Quand nous lèvons là-dedans, là un bouchon par derrière. Là, quand nous mettons nous tirons ce bouchon-là, là nous pouvons mettre une manivelle. Et quand nous mettons nos manivelles, là un autre petit tube qui nous peut placer là-dedans. Là, ici, il y a également un autre bouchon. Là, nous pouvons mettre ce bouchon-là à l'intérieur, nous mettons nos manivelles. Et un plateau par derrière dans la ruche, nous pouvons tirer quand nous posons un polo là. Là, quand nous pouvons tirer nos 10 000, quand nous mettons sa manivelle là, 10 000 là, il sort systématiquement, il tombe dans le pot. Donc, encore une fois, il évite aussi qu'il nous la mette là où tu peux causer contamination. Donc, il évite contamination un maximum. Maximum, exactement. Et comment nous connaît, par exemple, Dilé, nous dire qu'il. Dilé, bien avant qu'il nous boit, il bien pasteurisé, etc. Est-ce que le miel qu'il nous peut récolter et notre kit traitement, nous bien faire avant qu'il nous consomme, ou bien le direct from hive to mouth? Non, il n'est pas nécessaire qu'il nous bien pasteurisé, et sauf le pot. Sauf les pots qui nous peuvent stériliser. Nous besoin stériliser les pots avant qu'ils nous fassent ce empotage. Mais sinon, le miel en lui-même, il n'y a pas de tousser. Surtout quand il peut sortir dans la rue comme ça. D'accord. Donc là, l'étendue finie,
avec nos manivelles, récolter nos 10 miel, nous remettre sur le plateau tranquille et nous fermer. Nous ferme la ruche. C'est-à-dire, quand nous finissons d'ouvrir un chip dit pour amener à peu près 2 kg de miel. Un chip, 2 kg de miel. Donc, et là, combien de chips nous avons 7 cadres. Hein. Comme pour cause chip, 7 cadres dans d'autres mots. Mm-hmm. Nous avons 7 cadres à l'intérieur. Ça, 7 cadres-là pour amener à peu près vers les 14 kg de miel. Donc, et une ruche comme ça, si nous demandons des conditions optimales, parce que bien sûr, dans la monde, si nous mettons abeilles dans un endroit que le pain flaire, bien sûr, la production du miel peut diminuer. Mais nous avons une condition idéale, nous avons un peu flaire, nous avons un peu fruits secs, etc. Nous avons eucalyptus, nous connaissons aussi bien faire du miel avec eucalyptus. Dans une condition idéale, nous faisons une récolte du miel chaque combien de mois. Il peut dépendre d'un risque comme ça. Nous avons fait 2-3 récoltes. Il peut dépendre dans l'environnement. Comme cause d'environnement, nous causons côté d'une plante, mais l'effet qui cyclique. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il tourne au moins pendant 6 mois. D'accord. Il tourne au moins pendant 6 à 7 mois. Là, la banabeille, il a suffisamment l'étang, suffisamment nectar pour être amené à l'intérieur, pour être capable. Constituer ce jumeau. C'est le nectar qu'ils ont amené, puis ils ont enlevé là, ils ont mis des enzymes dedans, l'air là qu'ils ont fait ce jumeau. C'est déjà très très beau comme ruche. Une ruche peut emmener en moyenne des récoltes de 14 kg du miel par l'année. Donc nous payons à peu près 30, une moyenne de 30 kg par ruche par l'année. C'est énorme quand même. C'est assez énorme. Et je m'aurais précisé, parce qu'il y a du monde qui peut penser qu'il y a un risque comme ça. Moi, je prends un livre, je m'amène lui, comme moi, nous avons fait des récoltes du miel. Mm-hmm. Il y a un pays éthiopique. Prenez l'abeille, tout le dans l'environnement propice pour lui faire sa récolte-là. Mais sinon, dans l'endroit marginalisé, d'ailleurs, je ne recommande pas le client quand nous avons l'endroit marginalisé, c'est-à-dire qu'il y a peine beaucoup de flair qui tournait pendant 6-7 mois, parce que c'est tout de même assez un gros investissement. Mais par contre, dans l'environnement, à côté des plantes et toutes les affaires qui peuvent tourner, et là, je peut-être conseillable que vous êtes mettant dedans.